J'avais monté une société juste après qui s'appelait Réseau Local. J'étais, je vous l'ai dit tout à l'heure, un peu geek. J'étais aussi un gamer. Donc, je jouais aux jeux vidéo et puis c'était à l'époque des jeux vidéo en réseau. Alors, j'étais pas suffisamment bon pour être un professionnel de tout ça, mais le milieu m'intéressait beaucoup et puis j'avais envie d'apporter quelque chose là-dedans. Puis on voyait aussi en Corée du Sud que les joueurs professionnels c'était des stars, qui étaient plus connus que tous les. Que toutes les stars locales. Et du coup, on a décidé de fabriquer l'équivalent de la FIFA aujourd'hui pour le football dans le jeu vidéo. Donc, ça s'appelait Pro Gamer Cup. Je pense que personne ne connaît ici. Donc, c'était quoi? C'était un circuit de LAN. Donc, vous savez, les grands rassemblements de joueurs là, dans les gymnases, 400 personnes, etc., etc. Donc, on a décidé de fabriquer un circuit de ce type-là pour arriver à. Voilà. Démarrer comme ça, en espérant que dans 10 ans, on allait être. Le FIFA et qu'on allait pouvoir faire les championnats du monde, et puis parce que finalement c'était le point central, et puis on espère que ça allait être un modèle gagnant. Donc on a commencé à monter notre événement, on a fait tout un circuit d'un an. Donc c'était quoi? C'était parce que bon, on essayait de faire les choses bien quand même. Donc c'était relativement bien marketé, c'est-à-dire qu'il fallait trouver une grande salle, gérer le tournoi, etc., accueillir les joueurs, mais également un espace public pour les gens qui venaient voir, c'est-à-dire qu'aller voir des gens qui sont en train de jouer devant leurs jeux vidéo, etc., c'est pas hyper, hyper sexy. Du coup, on leur proposait ce qu'on appelait une free zone, donc c'était un espace dédié avec des animateurs pour découvrir les jeux vidéo et voir un petit peu ce que c'était que la sensation de jouer. Donc, nos clients, c'était que par les mairies, des éditeurs de jeux vidéo, des constructeurs de matériel pour tout ce qui est sponsoring, et puis les joueurs de jeux vidéo qui venaient payer leur entrée. On a fait ça pendant un an, on a fait une finale au Parc des Princes, donc c'était des super moments. Et puis derrière, on a voulu aller plus loin, donc on a voulu faire l'Europe. Donc là, on a monté un gros projet, on a commencé à vouloir aller chercher des financements. Et on est tombé pile poil dans la période de la guerre en Irak, tout ça. Et du coup, on était quand même un outil marketing assez alternatif pour toutes les sociétés constructeurs de jeux vidéo, enfin les éditeurs de jeux vidéo, les constructeurs de matériel. Et du coup, ils ont coupé tous les budgets alternatifs. Donc, ils se sont reconcentrés sur tout ce qui était pub papier, etc., etc. Du coup, là, on avait un financement qui était coupé. Et nous qui avions des idées de conquête du monde, bah, c'était un petit peu foutu, quoi. Du coup, on s'est retrouvés comme ça, là. Puis, il nous restait. On ne se payait pas beaucoup à l'époque, mais il nous restait quoi? 2 mois de cash. Donc là, il y a deux choix, soit on fait rien, on attend, et puis chacun rentre chez soi, et puis on cherche un nouveau travail, ou soit on trouve des solutions pour faire autre chose. Je me rappelle, on se retrouvait tout le temps dans une petite brasserie, puis là, on était en pleine discussion. Puis tout d'un coup, j'ai dit, et si finalement on enlevait la LAN? Parce que finalement, c'est lourd à gérer, il faut mettre plein de personnes pour gérer tout ça, il faut trouver des grands lieux, des salles, etc. On pourrait peut-être garder que les petits espaces, la publique. Serait sympa, finalement on pourrait peut-être vendre juste ce produit-là, ça marcherait pas mal. Donc là, mes associés me regardaient comme ça bizarrement, mais attends, voilà, on perd tout, on oublie tout notre truc. Je fais ouais, mais à un moment donné, il faut choisir, soit on continue notre aventure, peut-être autrement, soit on arrête, quoi. Donc ils ont eu du mal un petit peu. Et bon, à un moment donné, il a fallu choisir, donc on a testé. On allait voir un petit peu nos anciens sponsors, on leur a dit oui, si on vous présente un événement vraiment grand public, est-ce que vous nous suivez? Mais ils nous ont fait bah pourquoi pas. Et du coup, là, on s'est mis en quête d'aller trouver des lieux pour implanter notre circuit plus grand public. Et du coup, là, au lieu d'aller faire des LAN, etc., dans les gymnases des grandes villes, on est parti faire la tournée de tout ce qui est festival de musique, ce genre de choses. On leur a proposé en fait un espace pour que les gens qui soient là, à côté de la buvette, ils puissent passer un petit peu de temps sur des jeux vidéo, des jeux éducatifs. Et du coup, on a trouvé, alors là, directement, ça a cartonné, donc ils nous donnaient des espaces qui vendaient extrêmement cher aux personnes qui vendent le merguez frites, etc. Du coup, on est retourné voir nos sponsors historiques, et puis là, tout de suite, ils ont signé. Du coup, on a pu faire des circuits, et puis retrouver plein d'événements. Et après, on a réussi aussi à basculer auprès des mairies, qui, eux, cherchaient finalement un produit alternatif aux chatons gonflables et ce genre de choses pour les mômes. Et avec une question très pédagogique, donc on avait des jeux de simulation de conduite routière pour sensibiliser les jeunes à la conduite routière. Et du coup, on a complètement basculé là-dedans, c'est-à-dire que notre désir de faire
changer le monde dans le jeu vidéo, eh ben, on a oublié. Et puis finalement, on s'est concentré sur du B2B événementiel. Et ça a donné Réseau Local tel qu'il est aujourd'hui. Cette société existe toujours. Je m'en suis séparé parce que c'était moins mes envies. Mais aujourd'hui, c'est leader dans l'événementiel un peu numérique, un peu particulier. Donc, quand vous voulez faire des grands événements numériques, on est là. Et puis, tout ce qu'on appelle les espaces free zone qui sont ces espaces-là. Donc voilà, on peut arriver à basculer comme ça d'un produit à un autre. C'est la même société, c'est les mêmes personnes. Bon, ça a changé un petit peu avec le temps. Mais il y a de quoi trouver des solutions pour basculer quand vous êtes dans l'impasse.